He was a famous trumpet man from our Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. Und dann. Ich kann keine Laterne und steht sie noch la porta blanche. Pour boire tous les modèles. Andromaque, ce parfum à la lavande. Attali est resté en extase. Nous disons deux fois. Quand les agents devaient partir, nous avions un appartement. Près de Londres, nous avons tout le troisième étage et personne dans les autres appartements ne soupçonnait ce qui se passait. Les agents étaient allés là, on les dépouillait et puis ils mettaient les vêtements faits en France ou en Tchécoslovaque et ou en Belgique parce que s'ils partaient avec les vêtements britanniques, même avec les étiquettes arrachées, ça allait pour les trahir. Et les vêtements étaient faits spécialement par un petit réfugié juif de Vienne. Il avait un atelier. Et moi, je ne savais pas que la façon dont on mettait le col ou les boutons ou était différente d'après le pays. Mais lui, il avait étudié tout et il mettait le vêtement made in France. Bach ou un de ses assistants venait le chercher en fin de l'après-midi. Ils allaient à l'aéroport et puis ils avaient un bon dîner dans une petite maison tout près, bien arrosée mais pas trop. Et après ils allaient dans une petite cabane sur l'aéroport, tout près de l'avion. Et là on les fouillait de haut en bas parce qu'ils auraient pu laisser un mégot ou une boîte d'allumettes ou un ticket de métro. Vous n'allez pas me croire, mais ils détournaient les revers des pantalons et les brossaient pour être sûr qu'il n'y avait pas de poussière londonienne dedans. Après, ils mettaient leur combinaison de vol, qui était très volumineuse, c'était comme un grand édredon, le casque et le parachute. Et ils pouvaient à peine marcher, ils ressemblaient au bonhomme Michelin. Alors, ils allaient quelque part vers l'avion, le pilote les attendait. Et ils ne rencontraient pas d'autres membres de l'équipage, sauf le sergent qui s'occupait d'eux. Et on faisait des introductions, mais on n'échangeait pas des noms, juste les noms de code. Et puis, il y avait un trou dans le fuselage. Ils mettaient leur tête et leurs épaules et on les poussait par derrière. Et ils rampaient devant où il y avait des sacs de couchage qui les tendaient. Et ils partaient d'habitude à deux. Parfois trois ou un, mais pas plus que trois. Et on leur conseillait de dormir parce que ça pourrait être long. Alors, quand ils étaient près du terrain où ils devaient larguer, le pilote allumait une lampe rouge. Et le sergent les réveillait avec du café sandwich. Il ouvrait la trappe et ils attachaient leur parachute et ils étaient obligés de s'asseoir face à face avec les jambes qui pendaient dans l'air. On leur disait de fixer leurs yeux sur le sergent qui avait le bras levé comme ça. Le sergent fixait ses yeux sur la lampe et dès que ça devenait vert, il baissait son bras et il disait « Go !» Mais vous savez, il y avait tellement de bruit, il n'entendait pas. Et s'il ne sautait pas tout de suite, il les donnait un coup de pied. Parce qu'il pourrait quand même atterrir à des kilomètres beaucoup plus loin. Je me rappelle une de mes amies. Nous sommes restés amis jusqu'à sa mort il y a 5 ou 6 ans. Et quand elle est revenue, j'ai dit, est-ce que tu avais peur quand tu es là, sur le trap avec les jambes qui pendaient dans l'air? Elle a dit, peur? La seule émotion que j'ai ressentie, j'avais une terrible envie de faire pipi. Alors elle a dit, dès que je suis arrivée, j'ai fait mon roulé-boulé, j'ai arraché mon parachute et j'ai sauté un haie. Une haie. Et quelques minutes après, j'ai vu des pointes de lampe à poche et la voix de l'homme qui chuchotait « Mais où diable est-il passé? Je l'ai vu descendre, voilà son parachute, mais où est-elle ?» Elle a dit « Je ne pouvais pas répondre tout de suite parce que s'il avait regardé au-dessus de la haie, tout ce qu'il aurait vu, c'était mes fesses en l'air. » Il y avait quand même des moments amusants. Parfois, le vol était annulé à la dernière minute.
ça pourrait être quand ils étaient sur le point de monter dans la cabine pour des raisons diverses. Peut-être un message est arrivé en disant que le réseau qu'ils devaient les recevoir avait été infiltré et qu'ils tomberaient dans une pièce. Ou ça pourrait être tout simplement que le bruit est tombé sur la manche. Alors, comme le pilote volait sans lumière, il ne pouvait pas voler dans le brouillard aussi. Alors, il fallait attendre. Alors, il ne pouvait voler qu'à peu près 10 nuits par mois quand il y avait une lune. Alors, si c'était le début de ce qu'on appelait la période de la lune, on le cachait dans un manoir à côté et on essayait le lendemain. Mais si c'était la dernière nuit de la lune, il n'y avait rien à faire. Il fallait qu'ils rentrent à Londres et patienter 3 semaines la prochaine lune. Alors pour eux, c'était terrible parce qu'ils étaient tout prêts. Alors ils étaient énervés. Parfois, ils étaient en colère. Ils savaient que c'était la faute de personne, mais ils étaient en colère. Et c'était simplement sur nous qu'ils pouvaient verser sa colère ou sa frustration. Parce qu'on leur disait de ne même pas parler à leurs épouses de leur mission. Je suis sûre que la plupart partageaient le secret. J'aurais été furieuse. Non, peut-être furieuse n'est pas le mot. J'aurais été très triste si mon mari ne m'avait pas dit ce qu'il faisait. Après tout, quelle femme qui aime son mari aurait bavardé, même avec son meilleur ami, de sa mission, sachant qu'elle mettait sa vie en jeu. Alors, on les entourait, nous sommes allés au cinéma, au théâtre, dans les beaux restaurants, danser dans les boîtes de nuit, pour essayer de leur faire oublier, de penser à autre chose. Mais après, je me suis demandé, est-ce que c'était vraiment ça qu'ils voulaient? Je ne sais pas. J'étais un enfant né dans les années 20, qui était élevé, aller à l'église, répéter mes prières, et j'ai continué l'habitude avec mes enfants, mais c'était simplement une habitude. Je ne croyais pas que mes prières allaient plus loin que le plafond et rebondissaient sur ma tête. Mais depuis, je suis devenue chrétienne, et ça a changé ma vie. Et je me demandais si j'avais eu la foi pendant la guerre que je possède maintenant, que je n'aurais pas pu les aider un petit peu plus. J'ai partagé beaucoup de confidences avec des agents sur le point de partir. Ils me parlaient de leur inquiétude pour leur famille parce que beaucoup étaient mariés avec des jeunes enfants et d'autres de leur peur de la torture et de la mort. Mais je n'avais que des platitudes à leur offrir. Je me rappelle un agent, c'était un juif. Un radio qui partait pour la deuxième fois. Pour un juif de partir était dangereux et nous avions beaucoup de juifs agents. Mais radio, 2 fois, c'était presque le suicide. Et j'étais avec lui alors, la nuit avant son départ, juste. Oh, il n'y avait rien de sentimental ou romantique, je le tenais comme. C'était un vieillard. Il avait 35 ans. Alors pendant la soirée, il a sorti de sa poche une petite étui. Et dans l'étui, il y avait une chaîne en or et une étoile de David avec un cordon de la paix. Et il m'a dit, je voudrais vous donner ça. J'étais gênée, je ne savais pas quoi dire. Alors, finalement, j'ai dit, ouais, merci beaucoup, je suis très très touchée, mais je ne pourrais pas l'accepter. Alors il avait l'air si déçu, si triste, il m'a dit, acceptez-le, je vous en prie. Toute ma famille en France a été déportée et ils ont péri dans les camps de concentration. Je n'ai plus personne au monde. Et je voudrais quand même penser que quelqu'un se rappelle de moi, que quelqu'un peut-être pense à moi quand je suis là-bas. Alors j'ai dit, bon, dans ce cas-là, je la prendrai et je vous le rendrai à votre retour. Mais il n'est jamais retourné. Je ne sais pas à quelle heure est-ce que vous voulez que je continue. Je crois que la guerre a fait ressortir. Oh, je voulais vous dire aussi que ceux qui rentraient
Ils arrivaient pas, d'habitude juste avant l'aube dans l'aéroport, ils donnaient un énorme breakfast anglais, puis ils allaient tout de suite dans notre appartement à Londres pour le debriefing. On appelait ça un Y9, ça ne veut rien dire, parce qu'ils pouvaient donner des renseignements très précieux ce qui se passait dans les pays occupés. Et moi j'accompagnais souvent les deux officiers qui faisaient les interrogations. Et pour moi, c'était une vraie révélation de voir les réactions. Et il y en avait qui rentraient avec les nerfs en loc, et tremblaient, et fumaient cigarette sur cigarette. Je me rappelle, son radio avait été tué, il a demandé un remplacement rapidement. Ils ont envoyé quelqu'un qui ne parlait pas français. Et c'était terrible parce que c'était un danger, pas simplement pour lui-même, mais pour toute l'équipe. Et il était furieux. Alors il a envoyé un message à Londres en disant « Envoyez-moi un Chinois la prochaine fois. » Et Londres a répondu « Cherchons un Chinois. » Chante gentil. Lui, il était dans le lock quand il est revenu. Et puis, on avait d'autres qui, à mon idée, avait vécu des expériences beaucoup plus traumatisantes, qui étaient calmes et détendues. Et je me suis rendu compte que nous avons toujours un point où nous allons craquer. Ce moment où le corps et l'esprit ne peuvent plus continuer avec la torture, ce n'était pas simplement torture physique, c'était aussi mental. Et on va craquer. Et on ne peut pas prévoir ça. C'est facile de dire en territoire libre, je ne craquerai pas, je trahirai jamais mes camarades. Mais quand vous êtes là, on ne peut pas savoir à quel point. Et je me demande si c'était peut-être pourquoi les autorités n'ont pas presque insisté que s'ils étaient pris, qu'ils prenaient leur L-pill, leur cyanure, pour empêcher d'arriver à ce point-là. Oh ben, je crois que j'ai dit plus que je, non ? Je vais vous dire un peu sur Bulle, pas grand-chose. C'était un soir c'était en février, un samedi tard, Bach est venu me voir, il neigeait, c'était triste. On disait, vous êtes muté, prenez le train de 2 heures demain et vous allez à Bulle. Bon, c'était pas quand même un grand préavis, mais on n'avait pas beaucoup de possessions pendant la guerre. Alors j'ai pris le train, un soldat m'attendait et il m'a emmené au fin fond de la forêt dans une petite cottage et je partageais ça pour le restant de la guerre avec 2 femmes et une autre femme qui était notre gouvernante qui nous choyait, qui nous gâtait, qui faisait des repas merveilleux. Et il y avait 25 officiers. Vous me dites si je dois m'arrêter parce que je ne veux pas trop. Il y avait 25 officiers et la plupart avaient été des agents qui étaient blown, ce qu'on appelle. Leur identité était connue, ils étaient obligés de partir. Mais il y en avait 2 qui n'avaient jamais été agents. Et là était, moi je ne l'ai pas connu, mais c'était l'homme qui avait organisé tout le programme de Bulle. Il était intelligent, il était travailleur, tout le monde l'aimait. Et il était rappelé à Londres pour s'occuper de la section russe dans les affaires étrangères, le bureau des affaires étrangères. Et en les années 60, il était obligé de partir rapidement à Moscou quand le gouvernement a découvert qu'il avait été un espion pour les soviétiques depuis ses journées à Cambridge en 1933. Et l'autre, il était différent. Il n'était pas toujours là. Il venait, il partait, il venait, il partait. Les officiers étaient tous très baissés, bégés, qui changeaient pour le dîner. Lui, il ne changeait jamais. Il était toujours en tenue de combat et des grosses bottes. C'était un Écossais. Et nous travaillions tous les jours et jusqu'à 1 heure dimanche et on avait un week-end par mois. Et puis souvent, Jock venait frapper à la porte en disant « Est-ce que quelqu'un va venir faire une promenade avec moi dans la forêt ?» Et moi, je suis allée avec lui parce que à n'importe quel moment de la journée, c'était merveilleux. Et on avait tous ces kilomètres à nous tout seuls. Et parfois, il devenait un peu sentimental. Et on avait dit « Oh, arrêtez vos âneries, Jock !» Il n'insistait jamais.
Mais après la guerre, j'ai vu un film qui avait été fait en 1943 pour les archives. Et j'ai reconnu Jock. C'était le grand spécialiste de tuer silencieusement. Alors je me demandais si j'avais connu sa spécialité avant, si je serais allée aussi facilement me promener, ou si j'aurais eu le courage de résister ces avances amoureuses. Nous, les femmes, on nous appelait des secrétaires parce que il fallait nous appeler quelque chose, mais on était en fait des appâts. Et tout le travail de bureau était fait par un magnifique petit caporal des faubourgs de Londres. Oh, il était gentil, de bonheur, il faisait tout pour nous. Il s'appelait Frank et il avait une fiancée qui s'appelait Doris, qui travaillait à Woolworths. Et je me rappelle les jours de la libération. Avant, nous avons eu une merveilleuse réception dans le mess des officiers et beaucoup de personnalités locales étaient invitées parce que le secret, c'était plus à garder. Et le lendemain, moi j'ai dansé jusqu'à l'aube. Et je titube un petit peu en allant au bureau le lendemain. Et dans un buisson de rhododendron a surgi Frank. Alors il a dit, puisque c'est le jour de la victoire, est-ce que je peux vous embrasser? Et je dis, Frank, qu'est-ce que Doris va dire? Et il m'a fait un clin d'œil, il a dit, je lui dirai que c'est mon dernier sacrifice pour l'effort de la guerre. Alors, c'était pas très flatteur. Mais mon mari a entendu cette histoire et il a voulu savoir, mais est-ce que il t'a embrassé? Mais je lui avais dit que c'était un des très grands secrets de la guerre qui était dans un dossier qui ne serait pas ouvert en 100 ans. Alors, il a mis dans son agenda de me poser la question de nouveau en 2040. Les futurs agents venaient et passaient à peu près un mois à Bulley, à peu près tous les 10 jours, et ils étaient hébergés dans les maisons. On ne les voyait pas. Les officiers allaient tous les matins les enseigner. Je ne sais pas en quoi ils les enseignaient, on ne posait pas de questions. Tous sauf un. Et lui, il avait besoin d'un camion. Parce qu'il portait avec lui un énorme porte sur lequel étaient crochetées toutes les serrures que vous pouvez imaginer. Et il devait les apprendre à les décrocher parce qu'il n'aurait pas les clés de toutes les maisons qu'il voulait entrer une fois en territoire occupé. Et il avait appris des techniques d'un cambrioleur. Et ce cambrioleur a sans doute été un très bon cambrioleur parce que le gouvernement l'avait gracié d'une assez longue peine dans une prison de Londres à condition qu'il apprenait ses tactiques, ses méthodes de travail à SOE. Décidément, nous étions des drôles de numéros, vraiment des drôles de numéros. Nous, les femmes, on travaillait à Bournemouth et à Southampton. Moi, je travaillais toujours à Bournemouth. Et c'était là où on apprenait aux agents comment détecter si quelqu'un vous suivait et s'en débarrasser, comment suivre quelqu'un et découvrir qui il rencontrait, ce qu'il faisait sans qu'il le sache, comment passer des messages sans aucun signe de reconnaissance ou même sans bouger les lèvres. Ça se passait dans les parcs, dans les cabines téléphoniques, ça c'était très difficile, ou dans le salon de thé qui était au-dessus du cinéma. Alors ça c'était vraiment difficile parce qu'il fallait absolument être sûr que vous avez votre victime, parce que si vous trébuchez comme ça contre une table en sortant et vous glissez un mot dans un rendez-vous ou vous faites ça vous chuchotez ça et ce n'était pas la bonne personne, vous pouvez être arrêté pour solliciter. Mais l'exercice le plus James Bond, et ça c'était James Bond, son auteur Ian Fleming était dans la Naval Intelligence et son frère Peter était un de nos agents. Alors il savait de quoi il écrivait quand il a écrit ce James Bond. Ça se passait dans les hôtels. Il y avait deux hôtels à Bournemouth, l'hôtel et où nous travaillions. Moi, je préférais l'hôtel de Royal Bath parce qu'il y avait une terrasse qui dominait la mer. Et si ça rendait mon travail très facile.
ou plus facile, mettons. À la fin de avant de rentrer à Londres, où leur sort était décidé, tous les agents devaient voir notre commandant. Mais avant, ils étaient tous avec ce qu'on appelait conducting officer, qui les regardait, qui tout le temps pour voir les réactions. Et je crois qu'ils choisissaient ceux qu'ils croyaient étaient susceptibles de parler. Alors il a dit, ben, vous partez demain, alors on va célébrer, nous irons à Bombay, si je vous emmène, on va prendre un bon dîner. Alors il y avait un petit scénario qui était avant, avec lui et moi, et quand ils étaient en train de prendre l'apéritif, moi je rentrais, il dit, Dorine, qu'est-ce que vous faites ici à Bombay, quelle chance de vous voir. Et puis, vous savez, je ne l'ai pas vu depuis des années, mais venez rencontrer mon ami, prenez un verre avec nous. Et... après, il disait, si vous ne faites rien, pourquoi ne restez pas dîner avec nous? Alors, j'ai accepté après quelques protestations. Mais au moment de passer à table, il y avait un coup de téléphone. Et il est revenu en disant, oh, je suis absolument navré. Quelque chose est arrivé, il faut que je m'en occupe tout de suite. Mais vous, allez dîner tous les deux et je vous rejoindrai. Il ne se rendra pas. Ou, mais à la fin. Et c'était à moi de le faire parler. Alors, si... je pouvais le sortir sur la terrasse, il y avait une lune et il devenait parfois sentimental et c'était beaucoup plus facile. Les Britanniques ne parlaient pas beaucoup. Ils disaient, oh, je fais un stage pour le ministère de la Défense. Il y en avait un qui m'avait dit qu'il était un représentant pour pâte dentifrice. C'était ridicule, nous n'avions pas de pâte dentifrice. On essuyait nos dents avec le savon ou la suie. Mais c'était son histoire. Mais parfois, les étrangers parlaient, les jeunes étrangers, et je les comprenais, vous savez, ils étaient seuls, ils étaient loin de leur pays, ils ne savaient même pas s'ils auraient une famille après la guerre. Et c'était flatteur d'avoir cette jeune Anglaise qui s'accrochait à ces mots, qui avait l'air de s'intéresser à eux. Et je crois que c'était à ce moment-là que je me suis rendu compte que ma vie était un mensonge. Je mentais à tout le monde, je mentais à ma mère, à mes amis et à ses agents. Et s'ils avaient parlé, tous les rapports de tous les étaient sur le bureau de notre commandant et il faisait la synthèse et envoyait ça au chef de section. S'ils avaient parlé, pendant le rendez-vous avec l'agent, la porte s'ouvrait. Oh, c'était très James Bond. Et moi, j'entrais. Ils disaient, est-ce que vous connaissez cette femme? La plupart le prenaient bien. Mais je me rappelle d'un Danois. Oh, c'était un beau Adonis. Et je crois qu'il avait été un peu... il s'intéressait à moi. Parce que je n'avais pas beaucoup de difficultés pour le faire sortir sur la terrasse. Je pesais 10 kilos de moins, je n'avais pas des cheveux blancs à cette époque-là. Et finalement, il a parlé. Avec lui, quand il m'a vu entrer, il y avait une expression d'étonnement, puis presque de la peine. Il s'est à moitié levé de sa chaise, il a dit « You bitch !» La garce. Aucune femme n'aime être appelée garce. Et, après, je dois vous dire que ça m'a un peu perturbée. Mais notre commandant, Willie Bax, on l'appelait Colonel Woolrich, m'a dit après, c'est pas la peine de vous mettre dans tous ces états. Si il ne peut pas résister de parler à une jolie figure ici, il va certainement pas résister une fois là-bas. Et ça ne sera pas simplement sa vie, mais la vie de beaucoup d'autres qui est en jeu. Je savais très bien, je savais, mais il avait quand même vécu ce long entraînement. Et Bully n'était pas le Club Med, c'était assez dur. Et puis peut-être il n'aurait pas la chance de... Buck lisait tous les rapports. Et si les autres rapports étaient bons, il les laissait partir. Il a dit... Ils ont appris la leçon, ils ne vont pas recommencer. Mais je ne sais pas si les autres aussi compréhensifs. Le MI6, le service d'espionnage, nous ne les aimait pas. Ils nous appelaient amateur bandits, les saboteurs amateurs, ils avaient raison.
Et ils ont tout fait pour nous supprimer, mais ils n'arrivaient pas parce que nous étions le bébé de Churchill. Et Churchill, avec sa vision et sa sagesse, s'est rendu compte que cette guerre n'allait pas être comme des autres. Le gant de velours qu'ils employaient avant n'allait pas marcher, parce qu'on n'était pas devant les gentlemen, on était devant les thugs, les voyous. Et ils voulaient une armée de guérillas. Et c'est ce qu'il a eu avec nous, des guérillas. C'est vrai, nous étions des saboteurs amateurs, tout le monde était saboteur. Le seul professionnel était le cambrioleur. Personne ne voulait faire de l'espionnage comme carrière. Ils étaient des banquiers, des professeurs, des hommes d'affaires, des avocats, des futures femmes au foyer. Ils étaient des hommes et des femmes qui avaient un idéal, qui étaient patriotiques, qui savaient qu'il y avait une tâche à accomplir et qui étaient prêtes à le faire jusqu'au point de donner leur vie. Saboteurs amateurs, mais dont 104 ont été exécutés de la section F de ce camp de concentration, dont 15 femmes, et beaucoup d'autres ont disparu sans trace. On n'a jamais su ce qui leur est arrivé. Oui, des saboteurs amateurs, si vous voulez, mais qui a donné beaucoup en donnez-leur aujourd'hui que nous puissions avoir notre demain. J'aimerais réciter quelques lignes que je récite toujours à Valençay, le 6 mai, devant le mémorial. Ils ne vieilliront pas, comme nous qui restons, nous vieillissons. Ni le poids des années, ni l'usure du temps n'auront de prise sur eux. Au coucher du soleil et à la première lueur du matin, nous resterons fidèles à leurs souvenirs. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, parce que je suis la seule survivante de la section F ici. Et je voudrais que les gens sachent la vérité, ce qu'ils ont fait. Merci de votre attention. Ne m'applaudissez pas, applaudissez ceux qui ne sont pas rentrés.